l'homme a failli car ils ont renié l'existence de Dieu, l'auteur de leur vie. D'autres ont négligé le salut offert gratuitement par Jésus qui a donné sa vie pour eux. Ils ont préféré la connaissance au lieu de la foi en Jésus-Christ, les dieux d'amour. Chancelle, des guerres partout. Car pour commencer, l'homme est un échec et son cœur se tourne toujours vers le mal, vers la gloire, vers la richesse, la soif du pouvoir, au mépris des autres. Il marche avec la ruse pour ôter la vie aux pauvres innocents à leur profit. Répentez-vous avant que la colère de Dieu vous surprenne. Oh, toi, race humaine, pourquoi es-tu tombé si bas? Ah, ah, pourquoi es-tu tombé si bas? Oh, 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 oh. Les bêtes domestiques reconnaissent leur maître, mais l'homme a oublié son créateur, le Dieu d'amour, Jésus. La sagesse de l'homme est folie pour Dieu. C'est vantant d'être sage, ils sont devenus de fous. Comme ils se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, des hommes sans morale. Et dans leur maison, c'est la femme qui commande une jeunesse fatiguée par la drogue, les plaisirs charnels, rebelles à leurs parents. Ou quel résultat, la sagesse de l'homme est incapable de distinguer le bien du mal, quel malheur. Dieu a-t-il fait de vous avoir créé avec l'intelligence à sa propre ressemblance? Vous avez accumulé de la connaissance, la croissance de la science a produit l'orgueil. Dieu vous a laissé le libre arbitre de pouvoir choisir la voie que vous voulez suivre. Vous avez opté pour la pire version, la piété est devenue un sujet de pauvres et célèbres. Péché qui fait votre gloire, des vices sont des vertus sont des vices. Vous avez un compte à rendre à l'auteur de votre vie. Oh, toi, race humaine, pourquoi es-tu tombé si bas? Ah, ah, pourquoi es-tu tombé si bas? Oh, 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 oh. Les bêtes domestiques reconnaissent leur maître, mais l'homme a oublié son créateur, le Dieu d'amour, Jésus. À vous mes frères qui avez appris à fuir la colère de Dieu et à vous cacher dans une église locale tout en voulant garder votre vieille nature, essayant d'imiter le monde qui se meurt alors qu'il y a de la lumière au temps du soir, pendant que Malachie 4 est en action pour préparer l'épouse en l'enlèvement qui a vu la prophétie en train de s'accomplir. Vous l'avez rejeté, appuyons vos traditions, pour cela vous combattez Jésus-Christ, la parole. Sachez que nul n'entrera s'il n'a pas combattu selon les normes. Oh, toi, race humaine, pourquoi es-tu tombé si bas? Ah, ah, pourquoi es-tu tombé si bas? Oh, 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 oh. Les bêtes domestiques reconnaissent leur maître, mais l'homme a oublié son créateur, le Dieu d'amour, Jésus. Avant que elle s'en aille,
dans ce monde. Le troisième pôle en elle, cette puissance qui dort va se réveiller. Et le monde saura qu'elle avait reçu l'esprit de Christ. Et le monde comprendra qu'elle avait la double portion d'Élie. Attendez qu'elle puisse manger le livre. Attendez qu'elle puisse être réveillée par le message de ton air. Attendez. Revenez à Jésus. Plus de solution. Revenez. Et pour le problème de la guerre. Revenez. Pour le problème du sida. Revenez. Pour les problèmes de maladie. Revenez. Retournez à Jésus. Revenez. Jésus, la seule solution. Revenez. Arrête de l'homme à échouer. Revenez. Nous attendons toi le Messie. Revenez. Nous attendons le Messie. Revenez, reviens, toi prince de la paix. Revenez, reviens, toi prince de la paix. Revenez, l'humanité est détruite. Revenez, alléluia. Revenez, alléluia. Revenez, le règne de l'homme a échoué. Revenez, la sagesse de l'homme a échoué. Revenez, la politique a échoué.